Donc bonjour Ewen, donc félicitations pour ta victoire à cette édition 2019 de la Rolathlon. Peux-tu nous raconter un peu ta course ? Bonjour, ouais, ça a été une course assez difficile parce que le final a changé. C'est un final beaucoup plus dur que les années précédentes avec du coup en fait pas de descente, donc une montée jusqu'au bout. Donc du coup je pense que ça rajoute, ça a vite fait de rajouter 5 minutes au temps global de course, parce que du coup on roule vraiment pas très vite sur la dernière partie. Ouais, je suis parti tout seul au bout de 10 km, je me suis retrouvé tout seul, donc j'ai fait en gros 90 km un peu en contre-la-montre. Ouais, c'était pas une partie facile, mais ouais, j'ai quand même pris du plaisir, et puis c'est toujours c'est des courses qui changent et c'est un plaisir de venir courir aussi. D'accord. La saison continue. Quels sont tes prochains objectifs ? Ouais, bah, le prochain gros objectif, ce sera le marathon au chemin du monde à Barcelone, puisque je cours avec l'équipe de France que le marathon. Après, c'est un choix que j'ai fait cette année. En fait, je fais que le marathon. J'ai été convoqué, j'ai eu cette chance. Et parce que j'ai décidé d'arrêter en fait tout ce qui était course sur piste de moi-même. En fait, il y avait un stade de sélection à Rennes début mai, si je ne me trompe pas. Et avec la naissance du petit, j'avais pas forcément envie de bouger. Et puis à 30 ans, en fait, j'avais plus autant la niaque pour faire ce genre d'événement. Donc j'ai préféré laisser un peu tourner la page pour les courses traditionnelles. Mais du coup, je serai présent quand même au chemin du monde pour le marathon à Barcelone. D'accord, très bien. Donc ce n'est pas ta première participation à la Rolathlon. Qu'est-ce qui te plaît dans cette course unique en Europe ? Ouais, c'est la deuxième participation. Après, je l'ai découvert l'année dernière, en fait. J'étais venu avec mon collègue Guillaume de Malvoux. On avait fait un et deux. Cette année, j'étais tout seul parce que malheureusement, Guillaume ne pouvait pas venir parce qu'il a des examens demain, lundi. Donc, ouais, c'est une course complètement atypique. Et puis, ça change un peu des formats marathon parce que je trouve que maintenant, les marathons, c'est quand même, ça reste quand même assez court. C'est une heure d'effort. Alors que là, on part quand même sur des efforts vraiment d'endurance où on est sur du 2h45, donc vraiment ça change. Et puis je me dis que dans le temps, il y avait des doubles marathons, il y avait la Wild Eleven, il y avait les 111 km de Saint-Gallen, voilà, les choses comme ça. Donc ouais, ça, pour moi ça reste des belles courses, ça devrait faire partie des classiques au fur et à mesure, quoi. D'accord, donc on te remercie pour ta disponibilité, on te félicite pour cet heureux événement qui vient de vous arriver. Un dernier mot pour les lecteurs de Roller en ligne ? Ouais, alors du coup, bah, je voulais parler de ça parce que beaucoup de gens m'ont demandé cette année, parce que je l'ai fait en 125 cette année et l'année dernière je l'avais fait en 110. Beaucoup de gens m'ont demandé avant la course, me demandaient pourquoi l'année dernière je l'avais fait en 110. Donc cette année j'ai voulu le faire en 125 pour essayer. Et d'un point de vue, je l'ai préféré la faire en 110 l'année dernière. J'ai trouvé quand même beaucoup plus facile parce que je pense qu'on roule pas assez vite pour amener les 125 ici. Enfin, je vois pas l'utilité des 125 en dessous de 40 km/h à l'heure actuelle. Donc j'étais beaucoup plus à l'aise en 110 l'année dernière. Et ouais, ça, c'est mon ressenti. Après, voilà, beaucoup de gens me posaient la question et voilà, je leur confirme que mon ressenti est quand même assez bon et je préfère la faire en 110. Et je pense que si je devais la refaire, je repartirais en 110. D'accord, et bah très bien. Je te remercie beaucoup, Ewen. De rien, merci à vous.